Chers amoureux de la musique ivoirienne, chers amis de la presse en ligne, écrite, audiovisuelle, l'introduction aujourd'hui, vous la connaissez très bien. Dans la vie, quand tu as connu ce qu'on appelle le tremplin, c'est-à-dire quelqu'un qui t'aide à accéder à un niveau supérieur, il y a une chose que tu dois retenir, c'est la gratitude. Et aujourd'hui, c'est un moment de reconnaissance. Je ne peux pas en dire plus si ce n'est celle qui est devant vous, la première dame du coupé des galets, qui aujourd'hui ne peut supporter ce poids lourd qu'a laissé votre icône, notre icône et l'icône de l'Afrique et de la musique ivoirienne. Claire Bailly, elle est devant vous. Elle a un message très fort pour la Chine et pour la Côte d'Ivoire. Claire. Tout d'abord, nous reconnaissons que on peut observer une minute de silence pour mon ami et frère, celui que j'appelle tout pour moi. Une minute de silence pour lui. Et si vous le savez bien, il est où mon fils? Je veux l'affiche, s'il vous plaît. L'affiche du concert, tu peux m'amener, s'il te plaît, après. Normalement, j'ai un concert le 30 août de ce mois. Et ce que les gens ne savent pas, beaucoup ne savent pas, et qu'ils doivent savoir aujourd'hui, ce concert-là, je le fais aujourd'hui grâce au conseil de mon ami DJ Arafat. Je connais tout le monde dans le groupe de Calais. Mais en même temps, tout le monde sait que mon ami, c'est DJ Arafat. Et il fait partie des têtes d'affiche. Il m'a poussé à faire ce conseil. Que Claire Benway est annoncé, c'est la première dame du groupe de Calais. Tu sais qu'on m'a tapé le Europe des femmes, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Elle est mon ami. Vous casse-casse là, c'est lui qui m'a mis dedans. Tout ce qui est écrit, je le suis. Il y a une vidéo sur internet, suivez très bien, je crois que c'est en 2012 ou 2013. J'ai même dit, si j'étais un homme, j'allais faire tout comme lui parce que c'était mon petit mon idole. J'ai aimé l'homme. Moi, je dis, j'ai aimé l'homme. Ah oui, mon frère, j'étais aimé. Tu n'es plus. Pour lui, aujourd'hui, je reporte mon concert qui était pour le 30 août. Je devais faire ce concert avec tout le monde. Mais en tête avec mon ami, parce qu'on a jusqu'à 3 futurs. Le succès de Claire Bailly ici en Côte d'Ivoire, d'abord, je le dois à Dieu. Mais je le dois à Arafat, DJ. Tout le monde le sait. Parce que c'est Dieu qui donne la gloire. Arafat a fait le futur avec d'autres personnes. Mais moi, personnellement, c'était assez particulier. Et tout le monde l'a vu. J'ai un cœur, il y a tellement le cœur déchiré que je ne sais même pas comment faire pour l'honorer. Si ce n'est que déjà reporter ce concert du 30 août pour honorer mon ami, notre ami à nous tous, notre artiste, la légende. Jusqu'à sa mort, il est resté une légende. Jusqu'à sa mort, il n'a jamais reculé. Oh, mais Lyon, jamais il n'a reculé. Et comme une lionne, et comme tout le monde en devenant des lions, comme des Chinois, comme il a nommé toutes ses femmes, et j'en fais partie,
on va les nourrir. Quand j'ai dit nous nourrir, il a dit. Et à sa maison de distribution, et à ses amis, et à moi, le jour qu'il n'est plus, ce que les gens n'ont jamais vu. Le monde entier va voir ça. Et j'attends d'accompagner mon ami dans sa dernière demeure. On va tous y partir. Il est parti, il nous a laissé. Ah, c'est grand vite. Je ne sais pas, tu es irremplaçable, mon frère. Tu es irremplaçable. Je sais que tu es quelque part. Je sais que tu me regardes. Tu vois tout le monde. Parce que tu ne dors jamais. Tu ne dors jamais. Alors comme ça, tu dors. La nuit, tu es là, tu veilles. Parce que tu es un guerrier. Tu es fort. Si je veux commencer à dire qui tu es, tu es fond dans l'âme. Tout le monde me connaît. Donc l'heure n'est pas de pleurer. L'heure est de prier. Comment on fait pour t'honorer, pour aller t'accompagner. Mais la première des choses que tu peux faire, depuis là, je devais le faire, mais comme je n'avais pas encore la force, j'ai décidé d'appeler les journalistes que toi-même, mon ami, que tu connais, qui sont toujours là pour toi, qui étaient toujours là pour tous les artistes, pour reporter ce concert. Il n'est pas annulé. Il n'est pas annulé. La Chine, le Daoudé, la Côte d'Ivoire, le concert n'est pas annulé. Le concert est reporté. Parce que j'ai perdu une partie de moi dans le showbiz. J'ai perdu mon frère. J'ai perdu mon ami. Et comme vous le dites, oh, beaucoup de choses. Je ris parce que c'est quelqu'un qui aime la joie. Mais ce que j'aimerais demander, s'il vous plaît, surtout, aux autorités, son excellence, monsieur le président, tous les ministres, pardonnez, accompagnez ma voix chez son excellence, monsieur le président, parce que c'est lui qui pouvait le tout. Papa Ahmed Bakayoko, s'il vous plaît, monsieur Kiwafulé Guillaume, parce que je pense que ce boulevard-là porte son nom, si je ne me trompe pas, je vous en supplie. Par ma voix et la voix des Chinois, tous ceux qui aiment Arafat, et ceux que d'autres me diront, s'il vous plaît, baptisez cette avenue-là, ce boulevard-là, le boulevard Arafat Didier, ou comme vous voulez, boulevard Yorobo, boulevard Ouan Ange Didier, mais baptisez, c'est Didier Arafat que tout le monde connaît dans le monde entier, boulevard Didier Arafat. Je vous le demande, pardonnez. Ça porte le nom d'un grand. Mon papa, tu es encore avec nous. Cette légende-là, c'est là qu'il est tombé. Et ce boulevard-là doit porter son nom. Pour que jamais on ne l'oublie. Parce qu'on ne va pas l'oublier. Mais pour que ça reste à vie. Nous, on va partir. Nos petits-enfants, les amis, vont dire, aïe, dis-le à la face. Ça, c'est son boulevard. C'est là que le monsieur, c'est là qu'il est tombé. On est meilleur. C'est ce que j'avais à dire. Et tout ce que je peux vous dire, ce qu'on doit accompagner à la fête. Avec beaucoup, beaucoup. On est tous perturbés. Moi, je suis mélangée. Je ne sais même pas où je suis. Je ne sais pas où je vais. Mais c'est un choc pour nous. Tout ce qu'on peut faire, c'est de prier pour les son âme. On doit beaucoup prier pour Arafat. Arafat était l'homme qui embêtait tout le monde. Hey, tu vas nous manquer. Il a fait chier beaucoup de personnes. Je suis d'accord. Mais Arafat, c'était le grand cœur. Et tout le monde le sait. Moi, j'ai connu l'homme et l'artiste en même temps. Mon conseil est important. Pour lui, mon frère, à ton honneur, pour t'honorer, pour toi, je reprends ce conseil parce que je n'ai pas la force. Je n'ai même pas la force pour dire que je vais partir maintenant, pour le répéter. Donc, ce conseil est reporté. Une date intérieure. On va dire, Manadja, c'est quand je vais te passer un peu la parole. Parce que je pense que si je vais d'Arafat, on ne va pas finir là maintenant. Je pense que l'artiste a bien tout dit, c'est juste pour reporter. Et puis, juste après, nous allons donner la nouvelle date. Et ils vont honorer la mémoire d'Arafat parce que, au moins, c'est lui, tantôt, qui a conseillé sa sœur de faire conseil parce qu'elle doit rentrer dans l'histoire. Et dommage, avec ces vidéos que j'ai ici, tout ça et tout, je ne sais pas. Ah,
Une dernière vidéo qui nous a... Le téléphone. Non, non, c'est bon. C'est bon. Une dernière vidéo qui l'a fait. J'étais avec lui le 4 août. Jusqu'au pour, studio. Pour vraiment soutenir. Pendant que vous la visionnez, c'est la dernière vidéo en faite avec Claire Bailly à la fin. Et à ceux encore qui hésitent à accompagner l'artiste dans l'organisation de son concert, je pense qu'il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à vous dire. Il n'y a plus de démarche à faire pour que vous puissiez accompagner, pour que ce concert-là soit ce concert qui va immortaliser, qui va l'aider à immortaliser son frère, et son, j'allais dire son mentor, celui qui lui a donné l'envie aujourd'hui de prendre le micro et de, comme elle a dit, de faire le casque-casque. En tout cas, nous tenons par sa voix à vous dire merci. Merci pour tout ce que vous faites pour la musique ivoirienne, pour la presse, la web presse. Merci à tout ce que vous faites, pour, enfin pour tout ce que vous faites. Vous voyez que je perds même les mots. Léus a tendance à dire que j'aime les organiser, mais aujourd'hui je suis très très désorganisé. Et merci pour tout ce que vous faites. Excusez, merci beaucoup.